Ça me fait un plaisir, les gars, d'être avec vous, si vous saviez, parce que ça fait 20 ans qu'on se voit. Et si un jour on m'avait dit, tu accueilleras en bas des marches Olivier et Eric, quel bonheur. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir, Eric ? Très ému, franchement très ému. C'est presque une projection à laquelle on n'aurait pas osé rêver. Il y a quelque chose de fou dans notre aventure de cinéma. Et là, quelque chose de... Je sais pas, j'ai peut-être même pas les mots pour dire ce qui va se passer. Et en même temps, il y a un film qui nous tient tellement à cœur, avec des choses qu'on a à raconter qui sont tellement puissantes. Ça parle pas de nous, ça parle d'une conception de la vie, de l'existence. Donc je serais ravi que ce soir il se passe quelque chose et que la salle réagisse bien. Et voilà. Enfin, je ne l'ai pas encore vu, je racontais l'histoire, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais il s'agit beaucoup d'autisme, avec Reda Kateb et Vincent Cassel qui s'occupent d'associations différentes et qui vont d'une certaine façon éduquer des jeunes afin qu'ils puissent s'occuper d'autistes, c'est ça ? Tout à fait, c'est donc des personnages réels qui existent vraiment et qui font un travail colossal et formidable. Et qui s'occupe de former des encadrants et des référents pour s'occuper de jeunes autistes dits hyper complexes. Donc c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et on est très heureux parce que là, on est venu avec tout le monde, avec ces jeunes, avec ces acteurs, avec toute l'équipe technique. Pour nous, c'est là, personne n'a vu le film, donc on est très 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 ému. Merci beaucoup, on va essayer d'avoir un petit... Merci, très bonne projection Eric et Olivier.